Salut! Bon, bah ce matin je suis à Picherande. J'ai dormi hier l'espace bivouac de Picherande. C'est super sympa ce qu'ils ont fait. Finalement, je ne suis pas avancé plus pour le Sancy. Aujourd'hui, ça fait une étape de 32 km jusqu'à la Bourboule. Donc je verrai dans quel état je vais finir. Je vais la finir, je pense que c'est quasiment sûr. Mais le tout, c'est de savoir dans quel état je vais être à la fin de cette étape. Là, je viens de faire un petit ravitaillement à la boulangerie. J'ai pris un sac de viennoiserie de la veille. Et voilà, ça m'a coûté 2 balles. Pour l'instant, j'ai dépensé 18 euros depuis le début de mon aventure. Sans compter le ravitaillement que j'avais pris avec moi au début. Je ferai un récapitulatif sur les coûts, mais grosso modo, j'ai dû partir avec une trentaine d'euros de nourriture, plus la 18, on est aux alentours de 50, plus le déplacement aller-retour, ça a dû me coûter une quinzaine d'euros parce que je suis à 1h30 de route de mon départ. Voilà, pour l'instant, je vais être dans les 60-70 euros de frais pour 15 jours, enfin pour 10 jours de vacances. Ça va! Normalement, je devrais m'en tirer pour 10-12 euros par jour. Un truc comme ça. Voilà, aujourd'hui il fait beau. Normalement, il annonce couvert et soleil. Et à maximum 14 degrés sur le Sancy. Donc, je vais garder le pantalon ce matin. Voilà. Bah, allez, bah, moi je vais me lancer vers le Sancy là. J'ai déjà à moins 4-5 km pour arriver au pied et commencer l'ascension. Donc j'ai déjà 1h30 de marche. Là il est 7h30. Donc je devrais attaquer l'ascension vers 9h. Et je pense que je devrais être en haut vers 13h30, 14h, un truc comme ça. Allez, je vous dis en jus. Allez, bisous. Fais ton choix. Bon, on va aller par là.
Salut. Oui, doucement, ouais, doucement. Doucement, je ne te veux pas de mal. Je vois jusqu'aux confins de la terre. Ah. Ah bah c'est pas fini. C'est là-haut. Presque. Ce qui est fou quand je vois tous ces gros rochers, c'est que je me dis qu'ils ont été formés il y a des millions d'années. La chaîne des puits est la dernière chaîne active. Et des dinosaures ont vu ça se faire. Ils ont marché à côté de ces blocs et aujourd'hui, moi je suis là, à marcher là où les dinosaures ont marché jadis. C'est fou! C'est fou! Voilà, le montage avec un peu, une petite musique en fond, c'est tout. Ouais. Bon bah ça y est, bilan de la journée enfin sur le toit de l'Auvergne. 1800 mètres. Thank you.
Et bonsoir. Bon, du coup, bilan de la journée, je suis éclaté. J'ai jamais marché autant. Le 106, c'était génial. Et je sais pas quoi dire d'autre. Je suis au champ de la Bourboule. Et là, clairement, je fais la vidéo parce qu'il faut faire une vidéo pour faire le bidon. Mais clairement, je suis éclaté. J'ai jamais marché autant. Donc là, le bilan, c'est je vais me faire un sandwich, beaucoup manger. Je crois que je vais dormir ici sous le auvent parce que vous voyez, il y a un super abri. Et voilà, je vous tiens au jus pour demain. Je vous remercie d'avoir suivi cette journée. Franchement, une super journée, hein. Forte en émotions, des super paysages magnifiques. J'ai eu la chance de recroiser Arthur que j'avais croisé entre Copin et Brion. Et on a croisé un troisième gars sur la descente, donc on a marché à plusieurs et tout, c'était super entraînant. Du coup, j'ai pas fait forcément beaucoup de vidéos. Mais voilà quoi. Donc, moi sur ce, il est 7h30, je vais manger, dérouler mon matelas, et à 8h, je crois que je dors. Bonne soirée! Et merci de m'avoir suivi. Surtout, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma tête ou à suivre une prochaine vidéo. À partager, mettre un pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'hésite pas à le dire dans les commentaires si tu veux faire n'importe quelle recommandation. Et je te dis à bientôt. N'oublie pas que l'aventure, c'est pas si cher que ça et que toi aussi tu veux partir à l'aventure. Allez, à plus! L'aventure, magique!